Salut je venais, bienvenue Salut. Dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, les votes, les photos, les participations, voilà. La clôture des participations est arrivée à son terme, donc cette nuit à minuit. Donc on a 6 participants pour le concours de Noël et comme Angélique est là, on va en profiter. On voulait vous les présenter pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui ne vont pas voir forcément les photos sur Facebook. On va les partager ici. Voilà. Le but du concours, c'était de faire une photo en lien donc, avec le geocaching, y insérer de l'humour et surtout faire de ce qui est dans la saison, c'est-à-dire le thème de Noël. Voilà. Donc les 6 participants ont répondu aux 3 critères. C'était des très jolies photos, on s'est beaucoup amusé à les regarder, c'était vraiment sympa. Voilà, donc écoutez, on est content déjà que le thème du concours vous ait incité à y jouer. Mmh. Il y en a eu pas mal qui n'ont pas eu le temps en fait, qui m'ont dit mince, ça tombe mal, je suis en déplacement, etc. Donc qui n'ont pas eu le temps de participer. Il y a Find My Cache qui est toujours à l'attente des défis et puis là qui ne l'a même pas relevé. C'est vrai, bravo Find My Cache, bravo. Et puis voilà, donc on va présenter tout simplement, on va vous mettre les photos et puis on va présenter rapidement les participants. C'est ça. Alors on avait Shib of YouTube, ou Shibe, je ne sais jamais trop si c'est Shib ou Shibe of YouTube, qui était notre Père Noël de la Réunion, voilà, donc qui a proposé donc, la photo du concours qui est là. Et elle fait quelques petits autres essais, donc je vous les partage également. Donc on en sélectionne bien sûr qu'une seule. Il a fait aussi un petit clin d'œil à la chaîne qui fait toujours plaisir. Et donc moi j'ai surtout pensé à lui quand j'ai vu le costume et j'ai vu la Réunion. Je me suis dit il a dû vraiment avoir chaud. On voit qu'il est en plein cagnard en plus, etc. Donc merci à toi, Shib ou Shibe of YouTube. Après on avait les petits des animaux qui ont eu une technique bien particulière pour faire leur geocaching. Voilà. On vous laisse regarder ça. Mais on s'est beaucoup amusé avec la petite histoire qu'ils racontent. Ouais. C'est ça, c'était la première participation de mémoire. C'était la première participation à arriver. Après, on avait le père Bob le bricoleur, donc on reconnaît facilement grâce à son casque jaune, qui avait l'air de bien s'éclater à poser sa petite cache avec sa hotte bien remplie de conteneurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les médailles de Travel Bug. Tous les Travel Bug en médaille, etc. C'était super, donc merci à toi. Ensuite, Dr. Brick. C'est celui qui s'est fait piquer le... Ah oui. Dr. Brick, en fait, il a voulu faire une cache et il s'est fait troller son FTF par Monsieur Père Noël. Donc, directement. Désolé pour pas de cadeau cette fois-ci. Mais ouais, vraiment, vraiment très très sympa comme photo. On comprend sa déception en fait hein, sur la photo. Un peu rageux de se faire piquer son FTF. Par le Père Noël quoi. C'est ça. Et pour finir, on avait donc le père Fafa4485, voilà. Donc, qui est, lui, par contre, il va avoir du sang de viking, je pense. Que le Père Noël avec le casque de viking, ça, je l'avais jamais encore vu. Donc, ça m'a fait bien rire également. En donc, même temps, il vient de plus au nord que nous. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux. Peut-être que le Père Noël a du sang viking. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'avant d'être avec une barbe blanche, il avait une barbe rose. Peut-être. Ah. Est-ce que tu crois qu'il crie Skol quand il boit son chocolat chaud? C'est pas chocolat chaud. Un gros chop, c'est ça. Donc voilà, merci encore à tous les participants. Vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir. Merci à Cache Village aussi, surtout petit clin d'œil qui nous offre en fait ses lots. Vous offre en fait tout simplement ses lots. Donc le concours n'aurait pas eu lieu comme ça, on n'avait pas prévu de l'en faire à la base à cette période là pas du tout. Donc voilà, merci à eux et puis merci encore une fois à vous. On va se retrouver certainement très prochainement, donc c'est le... On a dit le mercredi 20. Le mercredi 20à 19h si vous êtes là. On vous fait un petit live juste avant les fêtes en fait. Voilà, les fêtes en fait, voilà. Un petit live avec un tirage au sort. Donc il y aura une vidéo qui en reparlera dans quelques jours ou demain. Qui n'a rien à voir avec le concours là. Mais qui n'a rien à voir avec le concours là, voilà. C'est vraiment un petit live et il y aura certainement une petite surprise à gagner, mais on ne la révélera pas avant le jour J. Voilà, c'est ça. Donc rendez-vous le mercredi 20 à 19h pour un
pour une petite surprise. En direct. Voilà, en direct. Et sinon aussi, pour vous remercier d'avoir participé et d'envoyer vos photos, ça nous a vraiment beaucoup touchés. Donc, on va vous faire chacun un vote sur Facebook pour vous faire grimper de 2 votes d'un coup voilà. À chacun. Et puis, bonne chance à tous. Voilà, chacun, on laissera un petit vote. Voilà. Voilà. Greux et puis moi. Voilà. On vous dit géo à midi, bien sûr. C'est le début du week-end, donc j'espère que vous allez vous éclater, faire du géocaching, des jolies boucles, des balades, etc. Mmh. Des barbecues, des... enfin, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, oui. Surtout qu'il a l'air de faire beau. Voilà, donc passez un très bon week-end. Géo à midi, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.